And I now give the floor to the distinguished representative of the Democratic Republic of the Congo, to be followed by Guyana, Zimbabwe, and Pakistan. Monsieur le co-président, permettez-moi de vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez afin de pouvoir dire un mot sur la conférence et la déclaration de Sendai, en deux minutes bien entendu, car ayant déjà soumis le texte intégral de la déclaration au secrétariat, et pour féliciter le secrétariat et le Japon respectivement pour l'organisation de cette réunion et la préparation de la première mouture de la déclaration de Sendai. Monsieur le co-président, je voudrais également souscrire à la déclaration faite ce matin par la Namibie au nom du groupe africain. Aucun État aujourd'hui n'est à l'abri des catastrophes et de leurs conséquences. Cependant, de l'avis de ma délégation, il serait judicieux de tenir compte des inégalités sur la vulnérabilité aux catastrophes dans le nouveau cadre à mettre en place, particulièrement en faveur des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement. Il serait également important de tenir compte de la transversalité de la question des risques de catastrophes, ainsi que de la synergie avec d'autres questions de développement durable, en coordonnant et en harmonisant les processus qui mènent vers Sendai 2015 à d'autres processus en cours au sein du système onusien pour plus d'efficacité. Nous pensons particulièrement au processus de la mise en place de l'agenda de développement post-2015 et de son financement, ainsi que de ceux sur l'adoption d'un accord sur le climat l'année prochaine et sur le sommet mondial humanitaire Turquie 2016. Le partenariat à mettre en place dans le cadre de Sendai devra prévoir la mise à la disposition des pays en développement, les connaissances scientifiques, techniques et l'assistance financière nécessaires afin de permettre à ce dernier de renforcer leur résilience face aux catastrophes. Ma délégation voudrait que la troisième conférence internationale sur la réduction des risques de catastrophes soit une occasion non seulement pour souligner les mérites du cadre d'action de Yogo, mais aussi pour mettre en place le nouveau cadre de réduction des risques post-2015 inclusif à la hauteur des défis actuels et effectivement au service de l'humanité. Monsieur le co-président, la République démocratique du Congo, pays également victime de catastrophes récurrentes qui expose sa population aux aléas de la nature, a mis en place des mécanismes nationaux et locaux de gestion des risques de catastrophes. Cependant, convaincu de la nécessité d'une réponse commune face à ces défis, la RDC voudrait vous assurer de sa pleine collaboration et de sa participation au processus de Sendai. Je vous remercie de votre attention. I thank the distinguished representative from the Democratic Republic of the Congo.